nous te mettez sous place une unité spéciale qui travaille même les week-ends. Parce que en général, nous tellement gain fort on demande qui est important, on fort demande. Nous toujours que ça traiter demande plus facile yo. Et nous toujours laisser ça au de côté. Nous te mettez en structure spéciale qui lui-même qui était attaqué, qui t'a adressé problème ça yo pour te résoudre tout cas qui délicat yo. Nous te à partir du travail ça yo. Nous te réduit de façon considérable délai d'attente citoyen yo. Parce que grand public qui doit plaindre ils font demande d'une et je dis, c'est vrai que je me toujours répéter, par rapport à niveau de qualité que nous voulons produire, nous ne pouvons pas faire de façon rapide. Nous ne pouvons pas produire en quatre de façon instantanée. Parce que grosse série d'étapes, le processus qui est obligatoire, qui est incontournable, sont des passages obligés. Oui. Mais qu'on y a, nous compresser tout ça qui est compressible. Tout côté de nous réduire le délai à nous faire. Mais mon côté, nous ne pouvons pas tellement et compresser. C'est le moment plus haut comparé en pointure. Une fois que nous chargeons le serveur, c'est lui-même qui vous produit le résultat. Et sous base de tout ça, nous pour nous imprimer 4 là. Ça ne va pas compresser. Mais par contre, nous augmentons le nombre d'opérateurs. Nous augmentons le nombre de monde qui font contrôle de qualité. Nous achetons de nouveaux équipements qui permettent de nous produire plus rapide. Et même dans la période de livraison, nous avons plus de véhicules qui sont disponibles pour faire livraison. Maintenant, en termes de chiffres, qui ça nous a réussi à faire en 2013 là? Nous avons produit 357 651 cartes. Nous avons assuré l'inscription, parce que les pages de production sont pour réimpression et pour nouvelles cartes aussi. Maintenant, en termes d'inscription, nouveaux et citoyens, nous avons 255 000. En termes de réimpression, nous sommes à 103 000. Et en termes de nombre d'unités mobiles qu'on a réalisées, nous sommes à 150 unités mobiles d'enregistrement. Parmi les gens qui ont enregistré, même pour l'aspect d'oléance, il y a 90 232 cartes, c'est parce que nous avons perdu 4 salles. Nous avons 10 000 cartes qui demandent des corrections. Et puis nous avons 657 citoyens qui nous ont relayés. Parce que ça a été tellement compliqué que nous avons exigé présence pour nous expliquer pour qui ça a été dans la situation. Ça. En termes d'épuration, par rapport à un projet conjoint que nous avons avec HM National, nous avons collecté 47 000 actes de décès qui étaient numérisés. Là, nous avons comparé avec les données que nous avons, sur des critères bien déterminés. Nous avons 11 000 registres qui correspondent à des gens qui disparaissent ou bien qui décédaient, surtout qui décédaient. Sur le même bazar, nous avons épuré le bazar de 11 000 cas. Nous avons supporté plusieurs projets gouvernementaux. Parce que nous avons rendu compte, surtout dans le projet d'assistance sociale, il y a des gens qui ne sont pas quatre là. Et la loi fait institution obligation pour que les gens aient accès à projet ça, à bénéfice ça, il faut qu'il y ait quatre là. Nous avons accompagné FAYES dans plusieurs activités, côté le projet Timon Mon Chéri, à Bagangou, etc. De toute façon, nous avons assuré que les gens côté de parler de servir, ils ont enregistré. Nous avons fait des rencontres de travail avec plusieurs partenaires. Nous avons réuni avec le SAP Sugo. Parce que la loi dit clairement et que si un monde doit bénéficier en assistance sociale, il faut qu'il y ait quatre là. À part de nous, nous travaillons avec Onal ça, avec FAYES et avec Moun Sugoto, que nous travaillons pour nous aider à identifier les bénéficiaires pour le programme ça. Nous travaillons tous sur un projet de loi, ou disons un avant-projet de loi, qui a fait une fusion plus rapprochée de l'état civil là. Et identification. Parce que nous conscients que si nous parlons synergie autour de questions, nous allons travailler en vain. Nous établis plusieurs connexions avec une série de l'autre entité gouvernementale pour permettre d'avoir accès à données. Parce que qui ça nous a remarqué? Il y a un pile citoyen qui profite par le fait que il y a une série d'informations, c'est de l'institution pas gagné. Yo sorti avec double ou triple identité.
Dans le cas de ça, nous permettons que l'immigration ait un accès direct à données à travers un serveur dédié. Et nous avons remarqué qu'on y a même le passeport, non seulement l'obligation pour vous-même, citoyen qui besoin de faire passeport pour un cadre là, mais vous inscrit numéro à tout, l'on page de passeport. Parce que tout le monde comprend que si vous avez un nom au niveau de l'ONI, au niveau de DGI, au niveau de l'immigration, là, ça fait que, en tant que l'État, on ne doit plus rien sérieux.